Merci à vous. Et BFM, moi j'ai une question à vous poser. Oui. Ça fait quoi travailler pour des sionistes, madame? C'est quel média? C'est BFM. Ça fait quoi travailler pour des sionistes, madame? Ça veut dire quoi, ça? Bah, ça veut dire ce que ça veut dire. On voit bien vos reportages depuis un moment. Où vous fait, ça, vous, ça c'est grâce à vous que vous faites monter le racisme en France, madame. On vous connaît, on les a vus. Bah, pourquoi vous êtes bah, qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont vos patrons, madame? Qui sont vos patrons? Vous pouvez nous les citer? Vous pouvez citer. Alors, mais qu'est-ce qui vous dérange? Qui sont vos patrons, madame? Patrick Drahi, je vais vous dire trois fois. D'accord. Vous avez fait quoi pendant des années à la télé? Oui, bah. Si vous êtes honnête, madame, qu'est-ce que vous avez fait depuis des années? Monsieur, quel est votre message là ce soir? Mon message que je veux faire passer, c'est que déjà, premièrement, je pense qu'on veut pas de vous. La plupart des gens ici veulent pas de BFM TV. Je sais pas, mon ami. Ah ben, si vous voulez, je peux leur demander, leur faire savoir que vous êtes BFM TV. Vous allez voir la réaction. Monsieur, et le deuxième message que je voudrais vous dire, dites-le, c'est pas contre vous personnellement, mais. Non mais madame, ça fait depuis 7 ans, ça fait depuis 7 ans qu'on est dans la rue, que BFM TV n'a pas montré la vérité. Ça fait 7 ans que les Français y manifestent, vous avez jamais montré les images madame. Ni les agriculteurs, ni tout ça. C'est pareil, sur ce qui se passe, attendez, c'est sur ce qui se passe, non mais regardez, c'est sur ce qui se passe en Palestine. Pourquoi vous n'avez pas dit la vérité de ce qui se passe en Palestine? Pourquoi vous en parlez jamais? Vous parlez du 7 octobre mais vous parlez jamais de ce qui se passe à Gaza et à Rafah. Pourquoi vous en parlez jamais? Non mais allez-y. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, madame. Non, dites pas que vous le faites. Parce que quand vous parlez pendant 20 heures du 7 octobre et que vous parlez même pas, vous avez même pas une minute pour les victimes du. Mais madame, vous regardez la chaîne pour laquelle vous travaillez ou pas? Me dites pas que vous avez couvert ces 7 dernières années parce que c'est faux. Les Français, ça.